News tente un jeu de mots ce matin en une. Un jeu de mots que n'aurait sans doute pas renié Cabu et compagnie. Une dernière bière pour Charlie. On a affaire à un troisième totalitarisme, ce que j'appelle moi l'islamo-fascisme. Il se déploie en Afrique, il se déploie au Moyen-Orient, jusqu'au Pakistan, jusqu'en Afghanistan. Et ces gens-là veulent conquérir le monde et l'Europe est leur cible. Des attentats, des jouets in extremis en Belgique, opération antiterroriste hier à Verviers contre des hommes qui revenaient de Syrie et qui étaient lourdement armés. C'est une des conséquences inattendues du passage du plan Vigipirate au niveau attentat en Île-de-France et en Picardie. Les classes de neige sont suspendues et ce sont donc des centaines de nuitées qui sont perdues pour de petites stations de montagne. Bien sûr, c'est une guerre. La France a été attaquée, il y a eu des morts. Elle a été attaquée parce qu'elle est en première ligne mondiale dans la lutte contre le djihad. Il y a deux fronts, le front extérieur, le front intérieur, bien évidemment. Et ça n'est pas le moins important. Vous savez que les terroristes sont nés en France. Ils ont grandi en France. Ils sont allés à l'école de la République française. Un enseignant de Mulhouse suspendu, 4 mois. Il avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves de 4e d'un collège de ZEP à Mulhouse, mais sans aucune précaution. Cabu, c'était mon frère. Bah oui, dans ces moments-là, on se sent très proche des victimes. Hein. Et non, mais qu'est-ce que... Mais c'était vraiment mon frère, Cabu, allons. Mais attends, allons. Qu'est-ce que vous racontez non, on avait le même nom de famille, Juju, allons, réalise. Hein Depardieu, c'est un pseudonyme, bien sûr. Dès que je vais dans un bistrot et que je renverse les tables et que j'urine sur le bar, les gens me reconnaissent et ils disent « Ah, ça c'est encore Gérard Cabu !»